Bonjour! Bienvenue pour le Mortal Rêve 28! Bientôt 30! Comme tu dis à chaque fois. Parce que Lydia m'a fait rire juste avant. Ouais, Donc, dans il est un le. pli le Lulu. Voilà. Donc, dans ce numéro 28, on retrouve des Spirit Host, donc des nuées d'esprit, Pollen Eye Holt. Donc là, le magazine est à 9,99€. Sinon, les figurines sont à 22,50€ sur Games Workshop. Montrera après mon thé. Tu vas montrer ton thé? Non, je montrerai après mon thé. Oui, il faut boire le thé, après je vais le montrer. Ok. Après le thé. Il n'est pas encore 4 heures, ça fait tout pour le thé aussi. Ouais, pas d'heure pour le thé. Donc, dans ce Mortal Realms, les nuées d'esprit, hein, donc le petit topo sur les, bah, sur l'unité de nuées d'esprit. Donc, c'est des cadavres hein, simplement qui ressurgissent en tant que spectres, hein, tout simplement. Donc, sur le socle, ils sont par trois généralement, par loot 3. Donc, les ordres, alors, ils sont généralement avec les bourreaux. Hein, on les accompagne les bourreaux, on peut avoir un ici. Ici, deux nuées de spectres connues, la nuée de Méchant Froid et les fantômes de Annersdorf. La chambre, donc Éternel de l'Orage, les chambres extrémistes, autrement dit, c'est les chambres avec les chevaucheurs de dragons, si bien les dragons volants, les Drakes Stellaires et les Dracotes, hein, les dragons classiques, ou ce qu'on avait dans la V1, le personnage spécial monté sur dragon. Lors de Célestan, je ne sais plus comment. C'est pareil, c'est des figurines vendues par deux. Je crois qu'ils sont à 55 euros, donc ça fait un petit peu cher quand même pour les deux figurines. Et on a le choix entre quatre variantes. On dit, si on en veut deux de chaque, et ben ça fait 2, 4, 6, 8, il faut acheter plusieurs boîtes. Le Seigneur Célestan et le Templier, donc deux gros dragons de Stormcast. Hein, ils vont bientôt sortir deux autres dragons, j'ai vu. La description de la chambre extrémiste. Donc, pour la petite anecdote, au départ, il y avait juste la chambre des guerriers. Ensuite, ils ont sorti un livre d'armée exprès sur la chambre extrémiste. Et après, ils ont fusionné les deux livres d'armée pour en faire qu'un seul, ce qui était quand même plus pratique. Ensuite, il y a la chambre Vanguard, donc la chambre des chasseurs qui est sortie. Et la dernière, la chambre des sacro-saints, donc avec les, tout ce qui était axé sur la magie, quoi. Avec la V2. Comment assembler les esprits? Donc, alors, quand on regarde, ben, on voit qu'ils tiennent. Je sais pas si ça fait le focus, pas grave. Mais ils tiennent sur très peu de choses en fait. Hein. Là, ici, ils tiennent juste sur un petit assemblement comme ça, là, ici. Donc, ils tiennent sur très très peu de choses. Ils sont assez, bon, ils sont assez rigides, on voit que ça bouge pas. Mais pour le montage, c'est assez, je veux pas dire Délicat. technique. Voilà, c'est assez fragile, c'est délicat. Surtout que c'est tous des éléments fragiles comme les la dague ici, les cheveux en spectre là. Les Et, cheveux. bah oui, bah attends, c'est quoi ça? C'est pas des Mais cheveux. t'as un poil de cheveux sur ta peau. C'est Il une y crinière en avait ectoplasmique. qu'un seul poil, il y en a encore plein. Donc leur Oui. crinière ectoplasmique d'Ixilia. Voilà. Et on voit donc leur lui ils sortent d'un squelette. Il y a un 3D de plus pour un squelette derrière, c'est pas très cohérent tout ça. Donc voilà, donc c'est une boîte qui est vendue avec les trois à chaque fois. Pour 22,50€, la façon de faire du commercial Games Workshop. Moi je les avais achetés avec le Starting Collecting des Nighthawks. Donc il y avait 5 cavaliers, les trois là. Et le Mortis Engine, en fait. Qu'on aura par la suite avec Mortal Rams aussi. Donc les grappes, et on peut voir qu'ils datent de. Là, il y a la date sur une des grappes. 2013, donc c'est assez. Vécu comme ça, cette fois, comme ça, on verra peut-être mieux. Donc il y a une figurine par grappe, en fait. Hein. C'était une boîte format carré, enfin, rectangulaire. Une petite boîte, en fait, c'est pas une boîte allongée. C'était pour 9,99€. On fait quand même une économie. Donc l'assemblage, hein. Donc le premier. Le deuxième du coup. Et le troisième. Ensuite,
le guide de peinture. Donc là, comme d'habitude, on fait une sous-couche en Corax White. Et ensuite, le Nylacne Oxide pour les effets, on va dire, bleus, les effets de spectre. Donc là, il recommande aussi de tenir en fait, la figurine comme ça, pour éviter, de, quand on le brosse, de le casser. Quoi. On le voit là ici, ouais, quand ils font le brossage à sec ici. Ensuite, la suite de guide de peinture. Donc là, on récupère tous les figurines jusqu'à maintenant, donc, sauf les trois dernières. Et en fait, on va continuer, enfin, on va les amener à un nouveau niveau de finition. Donc en fait, on les reprend et on améliore en fait les couleurs existantes. Je continue, hop, finition terminée. Disons que les processus ont été. Par la suite, il y aura les socles. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas terminés entièrement, parce que ça me paraît un petit peu basique, en fait. Et là, ils disent, laissez vos figurines, enfin, ils sont terminés, je ne sais plus quoi, j'avais lu là, tout à l'heure. Ça me paraît assez basique, comme je pense qu'il y aura d'autres éléments par la suite. Hein, parce que ça me paraît quand même assez, primaire, quoi, comme peinture. Donc, la nuée d'esprit, les règles, hein, donc la charte d'unité, et comme à chaque fois, l'explication des règles. Et là, j'explique, c'est les figurines éthérées, donc toutes les lignes des hantes nuits sont atterrées. Donc ça explique en fait le principe. Et ils volent, forcément, comme c'est des spectres, ils passent à travers les objets, ils peuvent s'envoler facilement. Là, donc le scénario, toujours dans Guiran, hein, le royaume de la vie, et du mort-vivant, c'est très logique. Et la purge de Murmebois. Donc on a un écumeur à froid larmes, 3 nœuds d'esprit et 15 racles chaînes contre 1 chevalier castor, 5 séquitors, 4 libérateurs, 1 prosécuteur et tout en or. Et en plus, ils ne sont pas en or. Oh. Voilà, en gros, le scénario, la bataille. Je ne sais plus si c'est dans celui-là qu'ils disent que les décors sont pas importants ou si c'est dans un autre scénario. Donc ça doit être un d'avant. Le numéro 29, 2 pots de peinture, donc un child, une oin et un layer, donc le Banner Black Brove, couleur marron ça, bon. 2 pots de peinture. Dans le 30, un deuxième élément de décor qu'on avait aussi dans Warcry. Donc le structure comme ça, un puits, et si on regarde en fait c'est cette structure là ici, et le puits qui est là ici. Donc voilà voilà. On se retrouvera bah, par la suite, la semaine prochaine, pour le 29. Et puis voilà. Voilà, voilà, c'était le numéro 28. On vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Salut! Au revoir!